Le marin utilise plus fréquemment le terme poteau noir. Son nom scientifique est la zone de convergence intertropicale. Tout est dit. Autour de la Terre, au niveau de l'équateur, une zone de basse pression est créée par des flux qui y convergent. Sur les océans, ce sont les alizés de nord-est dans l'hémisphère nord et ceux de sud-est dans l'hémisphère sud qui sont à l'origine de cette région. La position de cette zone varie très sensiblement au cours de l'année, puisqu'elle tend à suivre le mouvement apparent du Soleil, vers le nord en été, puis vers le sud en hiver, avec un retard de l'ordre de 6 semaines. Quelles sont les conditions que les navigateurs vont y rencontrer ? La température étant très élevée, l'évaporation de la mer très importante, chaleur et vapeur d'eau développent d'énormes systèmes convectifs. Pour franchir cette zone, large de quelques centaines de kilomètres, il faudra subir une alternance de calme plat, puis affronter les grains et les rafales sous les orages. Pour ce tutoriel, nous nous mettrons dans les conditions du parcours que Sir Ernst réalisera pour rallier Puerto Williams au sud du Chili. Pour commencer, nous rappellerons quelques généralités concernant le poteau noir. Il est généralement plus étroit à l'ouest, non loin du Brésil, vers le 30e ouest. Mais si on le traverse dans cette région, on ne peut pas bénéficier des alizés de sud-est une fois franchi la zone et ce sera difficile d'envisager une descente optimale des côtes brésiliennes. En étudiant les cartes à 500 hectopascal, on s'aperçoit que la limite sud des anticyclones marque la limite des alizés et donc le début du poteau noir. Nous allons commencer par situer le poteau noir. Pour cela, nous allons jeter un coup d'œil sur la photo satellite. Sur cette photo, il se situe de part et d'autre du 6e parallèle nord, près des côtes africaines, au 5e parallèle sud, au large de Natal, au Brésil. Des développements orageux se manifestant jusqu'au 7e sud, au milieu de l'Atlantique. On complète notre observation en étudiant la carte d'analyse fournie par la NOAA. Quelle est la limite sud des alizés de nord-est et dans quelle zone pouvons-nous espérer retrouver les alizés de sud-est? L'animation des différents modèles et leur comparaison vont nous éclairer. En sélectionnant une position sur la carte, il est aisé d'afficher un tableau comparatif des différents modèles. Le tracé isobarique permet de situer les anticyclones des Açores et de Sainte-Hélène. Ici,
nous aurons recours aux photos satellites en infrarouge et aux différentes options permettant de mesurer l'activité orageuse. Il ne nous reste plus qu'à décider de l'endroit où nous traverserons le poteau noir. La visualisation des flux d'air sur le site Weather Online est pour cela bien pratique. Notre choix tiendra compte de la largeur de la zone et de l'endroit où l'on espère toucher les alizés de sud-est. Enfin, la situation le long du Brésil et son évolution est appréciée en visualisant la carte de la situation proposée par la marine brésilienne.